me suis blessé au fitness à cause d'une erreur débile, mais vraiment débile. Comme vous le savez sûrement déjà, je veux passer la barre des 200 kg au deadlift, au soulevé de terre. Et c'était dimanche passé, j'ai fait une grosse séance, j'étais vraiment bien motivé, j'étais à fond, en mode beast mode, vraiment à fond. Et j'ai acheté une nouvelle ceinture de compression en fait, pour le torse, pour le dos, pour réussir à avoir une sorte de bonne posture, pour bien gainer un petit peu la ceinture abdominale. Je vous montre juste. C'est cette grosse ceinture. Le problème c'est que vu qu'elle est neuve et qu'elle est en cuir, bah elle est super rigide, mais genre vraiment vraiment rigide. Et le problème c'est que vu qu'elle est rigide, bah elle pince la peau et elle se moule un peu moins aux formes du corps. Ce qui fait que je l'ai serré. Et je l'ai serré là où j'ai fait l'erreur, je l'ai serré un cran de trop par rapport à d'habitude. Ce qui fait qu'elle était bien serrée, ce qui fait que je me suis baissé. J'avais mis je crois 160 kg. Donc j'étais vraiment content, c'était une bonne perf. Je me baisse et là je monte, je fais 3 reps. Et à la fin des 3 reps, je sens une petite pression un petit peu vers les côtes, vers le torse là, ici. Et du coup je me dis putain merde, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Mais bon c'est bon, je continue ma séance, pas de soucis, je continue un petit peu. Et en fin de séance je me dis mais j'ai quand même vraiment mal, c'est bizarre. Et le lendemain, le surlendemain, j'ai toujours mal. Et du coup j'ai constaté, après un téléphone avec un pote ostéopathe, que je me suis fêlé une côte au deadlift. Bref, du coup maintenant les 2 semaines qui vont venir vont être plus tranquilles. Je pourrais pas arrêter le sport, c'est juste impossible. Mais du coup j'irai au sport, mais je vais faire des exos un poil plus tranquille, avec moins de poids, je vais moins charger. Et je vais plus travailler un petit peu à isoler les muscles plutôt que faire les gros groupes musculaires. Mais du coup les 2 semaines qui vont venir vont être plus calmes. Sinon, en termes d'update, c'est une semaine assez importante. On attend plusieurs réponses de la part de clients potentiels. Mais on a reçu la nouvelle officielle, ça a été signé, c'est validé. On bosse officiellement avec la marque WinLab. Donc c'est une entreprise qui fait des compléments alimentaires. L'avantage de bosser avec une boîte qui fait des compléments alimentaires, c'est qu'on a accès à plein de barres protéinées. Ils font des chips protéinées, ils font des shakes de prot, mais juste super bon. J'ai goûté le goût cappuccino. À tomber. Donc là je pense que niveau snack protéiné, entre les pancakes, entre les shakes de prot et les barres de prot, on commence à être bien bien rempli. Sinon, autre nouvelle, on a aussi officiellement validé un contrat avec LVC Environnement. C'est une boîte qui est active dans le traitement des déchets, qui est basée à Genève. Et du coup c'était déjà un client qu'on avait avant, mais ça a été revalidé maintenant pour 12 mois. Donc c'est un super projet qu'on a avec eux sur 3 différents chantiers en interne. Mais c'est pas tout, on attend plein de réponses cette semaine. Une réponse de la part d'un EMS. On a aussi une entreprise qui fait du management de hockeyeurs pro, une agence immobilière, une boîte de consulting en placement. Bref, il y a plusieurs pistes potentielles, on croise à fond les doigts, on espère que ça va le faire. Et sinon, il me faut votre avis. Pour le site web, on a 2 versions différentes. On a essayé de changer la police d'écriture du site pour une police un poil plus audacieuse, un poil plus dans l'univers d'air qu'on essaye de créer. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est la version 1 qu'on avait avec cette police-là. Donc, je montre juste à quoi ça ressemble. On a cette police, voilà en gros un petit peu l'aperçu. Et on a trouvé une autre police qui pour le coup nous parle beaucoup, mais on hésite un petit peu. Celle-ci, c'est un poil plus dans le thème avec je sais pas l'image, l'empereur romain, ça joue un poil plus là-dedans. C'est un poil plus audacieux, c'est un poil plus histoire on trouve. Du coup voilà en gros ce que ça donnerait pour les textes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt partant pour la première police ou bien la deuxième? Mettez l'ancienne ou bien la nouvelle. Et comme ça, on verra un petit peu ce que vous en pensez. Cette semaine, on a un invité spécial à l'agence. C'est le fils d'un de nos clients qui s'appelle Anto. Salut! Et en gros, Anto, il est ici en stage pendant presque 2 semaines. Il fait de la motocross et c'est un futur talent suisse.
Il a vraiment des bonnes perfs et en gros bah, il veut un petit peu apprendre le marketing sur comment réussir à créer sa marque, créer son univers, à se rendre visible. Et du coup bah, le but de son stage, c'est d'apprendre un max au sein de l'agence. Puis on s'est fixé comme petite mission personnelle de lui faire un logo durant son stage. Comme ça il repartira avec un livrable, avec un truc utile. Et comme un gros bouffon, j'avais préparé des plats pour la semaine. Et bien évidemment ce matin, je suis parti en rush de la maison et je l'ai oublié. J'avais préparé du riz avec des épinards, avec du bœuf haché, mama. Mais j'ai une solution, j'ai un petit plan de secours pour un plat pas cher et super sain. Je vous montre. Première étape, c'est du riz à mettre au micro-ondes. Deuxième étape, les légumes à mettre aussi au micro-ondes. Et comme troisième et dernière étape, une bonne source de protéines, la dinde. Ensuite, c'est maintenant que la magie se passe. Je prends mon Tupperware, je mets dedans le riz. Il faut l'écraser avant de le mettre dedans. Ensuite, les légumes. Et ensuite, les petites tranches de dinde par-dessus. Et pour faire un repas digne d'un restaurant gastronomique, c'est séparer la dinde en plein de petits morceaux, comme ça. Et ensuite, on met au micro-ondes. Et après, ça sera juste... Et... voilà. Super rapide. Je crois que c'était genre 12 balles le tout, 11 balles. Et surtout, super sain. Et surtout encore, super bon. Et après, on avait parlé de ce projet de vidéo. À toi de voir quand est-ce que tu veux qu'on le mette en place ou est-ce que tu veux qu'on commence déjà un peu à réfléchir, vu que je sais que c'est un truc qui pourrait aussi être mis en place sur le site web. J'ai reçu un téléphone juste avant d'une dame que j'avais croisée il y a 4-5 ans en arrière durant un event. Elle me dit voilà, ça fait longtemps, j'ai créé maintenant un réseau pour entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. Et en gros maintenant on a 60 membres, c'est 3000 francs par année pour être adhérent, pour être membre en fait de la structure. Et du coup on organise en fait des masterminds, des conférences pour apporter un max de valeur à nos membres pour qu'ils puissent entre eux en fait bah, faire du business, échanger, discuter. Là elle me dit on a un event qui va arriver en septembre. Et en fait, on cherche un conférencier inspirant qui pourrait venir apporter un max de valeur à nos membres. Est-ce que ça te dirait de venir? Et je dis, bah ouais, à fond de chez fond, je kiffe trop faire ça, ça me plaît à fond. Elle me dit, par contre, il y a un petit détail, un petit paramètre, c'est qu'en fait, pour l'instant, les personnes qui sont venues donner ces conférences, bah, elles sont venues de manière gratuite. Est-ce que ça jouerait pour toi? Et là, je lui dis, bah écoute, pour être honnête avec toi, je le faisais au début, quand je commençais à faire des conférences, et maintenant, aujourd'hui, je fais plus ça. Je le fais seulement pour les écoles et les assos, parce que je crois à fond à l'impact, au partage, à l'inspiration, je sais pas, à la transmission d'infos et de valeurs. J'y crois à fond, mais pour une boîte privée qui indirectement a pour but de faire du business, bah malheureusement maintenant, gratuit, j'arrive plus à le faire. En toute bienveillance, vraiment je vais expliquer ça avec les meilleurs mots possibles, enfin j'ai essayé en tout cas, mais je lui ai dit que pour moi ça me parlait pas. Et je sais pas, je suis un peu sceptique par rapport à cette démarche. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et moi, je trouve qu'une entreprise qui a pour but de faire du profit et qui fait facturer à ses membres un prix, en fait, une sorte de quotie à payer par année, qui en plus est assez cher, et qui après fait des events pour justement répondre à ce besoin ou bien à la promesse que l'entreprise a fait à ses clients, bah, faire venir des conférenciers qui, eux, ne seront pas payés, je sais pas, j'ai un peu de la peine. J'ai un peu de la peine, je dois avouer. Mais bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse d'avoir un peu votre avis. Allez maintenant, il faut que je file, je dois aller récupérer le pou, elle m'attend en ville. Et je vous ai pas encore dit, mais j'en parlais dans le précédent épisode, checké. On a enfin de la clim! Yeah.
Salut, t'es. Hein? Salut, t'es. Ça va? Ciao. Ça fait depuis 3-4 semaines, vu que je vais au fitness tous les matins, en fait, bah, avant le travail. Du coup, je délaisse ma chérie, parce qu'à l'époque, on avait un peu la routine d'y aller ensemble en fin de journée. Donc là, à chaque fois maintenant, ma mission personnelle, c'est de la motiver à fond à ne pas rester à la maison et partir au sport. Et du coup, à chaque fois, c'est le petit instant, elle me dit « Viens avec moi ». Je fais « Bah non, 2 séances par jour, ça va me buter sinon ». Et il y a un truc que j'ai plus fait depuis trop longtemps, très longtemps, c'est lire. Et franchement, à la base, à l'époque, je lisais quasiment un livre par semaine. Et là, j'ai, je sais pas, entre le sport, le travail, YouTube, les projets, les ambitions, les étirements le soir en rentrant. Bref, il y a plein de trucs qu'il faut réussir à gérer. C'est quand même galère hein, de réussir à tout gérer en même temps. Mais j'ai 2 livres maintenant que je vais réussir à lire en 2 semaines. Je vais réessayer de me mettre une routine de lire un livre par semaine si on arrive. Et le gros piège qu'on avait en fait, dans ce que j'ai pas dit avant, c'est qu'on avait une sale habitude avec ma chérie, c'est que tous les soirs, on est juste des gros accros de Netflix. Je sais pas si vous aussi, mais nous on a vraiment des séries, et j'ai un peu honte de le dire, mais genre, la série que j'ai kiffé dernièrement, c'est Riverdale. J'ai juste adoré. Je pense qu'on kiffe trop les US, on a un peu l'impression d'avoir été projeté dans les US pendant quasiment, je crois, 4-5 saisons. Et sinon, on a regardé Qui a tué Sarah, Innocent, Peaky Blinders, bref, plein de séries. Mais maintenant, on s'est promis un truc, une nouvelle règle qu'on s'est mis ensemble, c'est plus de séries, plus Netflix durant la semaine. Donc de lundi à jeudi soir, pas de séries. Du coup, maintenant, ma mission, c'est que je vais essayer de prendre chaque jour entre 45 minutes et 1 heure pour lire un max. Et mes 2 livres pour l'instant, c'est Shoe Dog, enfin, c'est le créateur de Nike, un livre qui a l'air super intéressant, plein de potes m'en ont parlé, il faut vraiment que je le lise. Et sinon, Profit First. Un autre livre qui a l'air super cool aussi, que j'ai commencé à lire et que j'aime beaucoup pour l'instant, qui parle de comment réussir à créer une structure qui génère plus de profit et qui dépense moins au quotidien. Du coup, c'est mes lectures pour le moment. Je ferai un petit retour sur Insta si elles me parlent. Voilà ce qui résume cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, balancez un petit like sur la vidéo. Ça coûte pas grand chose, mais ça balance un max de force en pleine gueule. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous.